Donc l'oxygène et le dioxyde de carbone, ils vont circuler, ils vont être passés entre les versants maternel et fœtal par diffusion passive. Et je vous rappelle, pour les gaz, on ne parle pas de concentration puisque c'est uniquement la forme dissoute qui va déterminer les échanges. Donc on est obligé de regarder les différences de pression. Alors voilà notre système. Ici schématisé notre placenta. Ici c'est l'artère ombilicale fœtale qui arrive donc là dans le c'est le représenter la villosité choriale évidemment de manière très, très schématique et puis qui repart avec un sang relativement enrichi en oxygène c'est par la veine ombilicale fœtale et ici l'artère utérine maternelle qui arrive ici c'est la chambre intervilleuse et qui repart avec la veine utérine maternelle donc regardons et donc ici la chambre intervilleuse regardons déjà rappelons quels sont les PO2 dans le sang maternel. Donc, vous rappelez, ça c'est du sang artériel utérin, donc c'est les pressions partielles dont on a déjà parlé dans le sang artériel. C'est à peu près 100 mm de mercure, à peu près 40 mm de mercure de PO2 et de PCO2 respectivement dans le sang artériel. Là j'ai mis 95 et 38. Bon, voilà. Au niveau du sang veineux, on a aussi ce dont on a l'habitude dans le sang veineux, c'est à peu près 40 de PO2 et à peu près 45 de PCO2 en millimètres de mercure. Dans le sang veineux, là aussi, j'ai mis des chiffres 42, 46 pour bien que vous sachiez que c'est maintenu constant, mais vous savez, c'est dans des limites. Hein. Toujours, ce n'est pas un chiffre absolu. Regardons maintenant quelle est la PO2 dans la chambre intervilleuse, parce que finalement, c'est quand même cette PO2 et cette PCO2 de la chambre intervilleuse qui vont être déterminants pour les échanges. Alors, si on regarde la PO2 dans la chambre intervilleuse, elle est à 50 mm de mercure. D'accord? Donc, elle est. Évidemment, c'est un peu comme dans la pression partielle en oxygène dans l'alvéole. Évidemment, on avait vu, elle n'est pas égale à la pression partielle en oxygène dans l'air inspiré. Donc ici, c'est pareil, du fait des échanges, du fait de de la PO2 qui est prise, et donc on a dans la chambre intervilleuse une PO2 qui est à 50. Donc on voit déjà que, évidemment, le sang fœtal ne pourra pas arriver avec une PO2 à 95, au maximum, ce sera 50. Alors regardons maintenant quelles sont les pressions partielles dans le sang fœtal. Eh bien, la PO2. Dans le sang de l'artère ombilicale fœtale, donc vous voyez qu'elle est effectivement très très pauvre en oxygène, puisqu'on a une PO2 à 14, une PCO2 à 50. Donc ça, c'est des PO2 dans le sang veineux, donc l'équivalent hein, de ce qui est ici, dans le sang de composition veineuse, je veux dire, fœtale très très basse. Et donc finalement, après les échanges, quelle est la PO2 et la PCO2 dans la veine ombilicale fœtale? On a une PO2 à 35 mm de mercure. Et une PO2 à 44 mm de mercure. Donc vous voyez que, donc on va surtout s'intéresser à la PO2, eh bien on n'atteint pas, il n'y a pas d'équilibration des PO2. Or, vous vous souvenez, nous, pour le poumon, on a bien sûr une équilibration des PO2 à 100, même j'avais dit au tiers du trajet du capillaire, les échanges ont eu lieu, il y a une équilibration. Bon. Là, on n'a pas d'équilibration et on a une PO2 dans le sang. Qui va être le sang qui va donner le maximum d'oxygène, enfin, c'est lui qui apporte l'oxygène au fœtus, on a une PO2 à 35. Des gaz du sang de ce type-là, hein, chez nous, c'est la réanimation immédiate. Hein. Donc là, si on fait des gaz du sang comme ça à un patient et qu'on a 35, on va avoir un pH très bas, et le patient, là, on appelle les réanimateurs, hein, généralement. Donc pourtant, le fœtus, vous savez, il vit, il se développe bien, il est bien oxygéné, et ça se passe bien, et à l'accouchement, il est en bonne santé. Alors, un petit mot simplement. Rappelez-vous qu'on est dans des situations de flux régional, ce qui n'est quand même pas non plus l'idéal. Et surtout, le point important, c'est qu'il n'y a pas d'équilibration entre le sang veineux fœtal et le sang maternel. Alors, pourquoi finalement ça fonctionne quand même bien? Donc, il n'y a pas d'équilibration des pressions entre le sang veineux fœtal et le sang maternel, en fait, parce qu'il y a un effet shunt. Donc on en a parlé, je vous en ai un peu parlé avant. En fait, il y a un effet shunt qui est assez important, puisqu'il y a du sang qui passe dans les villosités choriales, dans des capillaires trop éloignés, mal disposés, et pour lesquels il ne peut pas y avoir d'échange, ou des échanges sont moins efficaces. Donc on a du sang dans les villosités choriales qui va rester en fait de composition veineuse. Ça, c'est l'effet shunt. Il y a aussi le tissu placentaire qui va utiliser de l'oxygène lui-même. Le tissu placentaire, il a besoin d'oxygène. Et donc, au niveau du tissu placentaire, il va y avoir une utilisation de l'oxygène qui fait qu'on est aussi avec ça va diminuer en fait la quantité d'oxygène qui peut être disponible pour le fœtus.
Alors, cependant, le placenta est parfaitement apte à satisfaire les besoins en O2 du fœtus. Puisque là, on est en train de parler en pression, mais vous êtes familier maintenant, la pression, finalement, la pression en oxygène, ce n'est pas ça qui va transporter le plus d'oxygène. Ce qui transporte le plus d'oxygène, c'est l'hémoglobine. D'accord? En fait, en quantité d'oxygène qui finalement va arriver au tissu, eh bien, il faut regarder le rôle de l'hémoglobine, puisque c'est lui le transporteur. C'est l'hémoglobine qui est le transporteur. Et donc, il existe des mécanismes adaptatifs qui permettent de satisfaire les besoins en oxygène du fœtus, malgré le fait qu'on ait une PO2 extrêmement basse. Alors, quels sont ces mécanismes adaptatifs? Premier point, c'est que l'hémoglobine chez le fœtus est à une concentration beaucoup plus élevée que chez nous. Je vous rappelle, nous, la femme, c'est à peu près 14 grammes pour 100 millilitres d'hémoglobine, et puis l'homme, 16, 17. Chez le fœtus, il a une concentration à 20 grammes pour 100 millilitres. Et vous vous souvenez, eh bien, s'il y a plus de transporteurs, évidemment, il y a plus d'oxygène qui est transporté. Et donc, en quantité, on va avoir plus d'oxygène dans le sang. L'autre point, c'est que l'hémoglobine fœtale, elle n'a pas les mêmes chaînes bêta, elle a des chaînes dites delta. Et donc, ces chaînes delta, en fait, elles vont faire que l'hémoglobine n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. Et elle va avoir une affinité plus importante pour l'oxygène. C'est-à-dire que. On a toujours le maximum, c'est toujours 4 molécules d'oxygène par molécule d'hémoglobine. Hein. Ce n'est pas le nombre de molécules d'oxygène transportées qui varie, mais c'est l'affinité. Ça veut dire que, en fait, on va avoir une courbe qui est déplacée vers la gauche. C'est-à-dire que pour une certaine pression partielle en O2, ici à par exemple 30 millimètres de mercure, eh bien, ici, on a un peu moins de 60% de saturation de l'hémoglobine normale adulte, alors que le fœtus, lui, sera déjà à 80% de saturation. Ça veut dire qu'en fait, pour une certaine PO2, il y a plus de molécules d'oxygène qui sont fixées sur l'hémoglobine fœtale. Donc, d'abord, plus de transporteurs, puis une affinité plus importante. J'avais rappelé ici la formule, évidemment, puisqu'il y a plus d'hémoglobine et une saturation qui va être plus importante pour une même PO2, la quantité d'O2 combinée à l'hémoglobine va être plus importante. Et puis le troisième mécanisme adaptatif, c'est le double effet Bohr. Alors, c'est quoi l'effet Bohr et le double effet Bohr? Je vous avais dit, quand on a parlé du transport, l'hémoglobine, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, elle varie en fonction du CO2 ambiant ou en fonction du pH ambiant. L'affinité va être moins importante, par exemple, quand on a un pH acide ou quand on a un CO2 ambiant plus élevé. Alors, en fait, quand le sang arrive au niveau du. Le sang maternel arrive au niveau de l'utérus, il est riche en oxygène et il va se libérer de l'oxygène et il va capter. Le CO2, il va capter les ions H+, il va capter les déchets acides du fœtus. Et donc, le sang maternel va se retrouver à ce moment-là dans une situation ambiante où il y a un CO2 qui est élevé et un pH qui est acide. Et donc, ça va encore plus favoriser la dissociation de l'oxygène, puisque dans ces conditions-là, l'hémoglobine de la mère, du sang maternel, a moins d'affinité. Dans ce milieu acide dans lequel il se retrouve, a moins d'affinité pour l'oxygène. Donc il va libérer plus d'oxygène. Ça, c'est le premier effet Bohr. Le deuxième effet Bohr, c'est dans le sang fœtal. Le sang fœtal, lui, il va se libérer de ses métabolites acides, se libérer du CO2, commencer à capter de l'oxygène, et en se trouvant dans un milieu moins acide, eh bien, il va y avoir non seulement cette hémoglobine, elle a déjà plus d'affinité pour l'oxygène que l'hémoglobine normale, mais en plus, elle va être dévier vers la gauche et donc augmenter encore son affinité pour l'oxygène. D'accord? Donc c'est ça le double effet Bohr. C'est le fait que les mouvements d'ions d'H+ et de CO2 entre les sangs maternels et fœtal sont favorables au transfert de l'oxygène vers l'hémoglobine fœtale.